Nous allons voir ensemble la recette hyper simple pour une belle nougatine de sarrasin à ajouter dans la mousse au chocolat que nous avons faite ensemble. Les tartes de papa! Pour les ingrédients, il nous faudra 100 g de sucre blanc, 3 belles cuillères à soupe de graines de sarrasin de chez Vivien d'Anjou, et c'est tout. On passe de suite à la réalisation. Dans un premier temps, faites torréfier vos graines de sarrasin en partant à sec. Remuez de temps en temps, lorsqu'une belle odeur s'en dégage et que vos graines commencent à bien torréfier, arrêtez la cuisson et réservez dans un petit ramequin. Pour réaliser le caramel, pesez 100 g de sucre et disposez bien à plat dans une casserole à feu assez fort. Ne remuez que quand le caramel commence à se former. Retirez la casserole du feu, puis ajoutez vos graines torréfiées. Mélangez bien. Puis versez la préparation sur votre tapis de cuisson. Repliez le tapis sur lui-même pour aplatir et dédoubler la préparation. Réservez au froid quelques instants. Lorsque votre caramel est prêt, cassez-le grossièrement et ajoutez-le à votre dessert préféré. C'était les toques de papa, abonnez-vous !